tous les dinosaures, même les plus gros, sont issus de petits œufs. Et c'est là que commence mon histoire. Je suis venu au monde une nuit de pleine lune particulièrement belle. Comme si le clair de lune avait projeté des ombres sur moi, je suis né avec le museau couvert de taches. À ma naissance, ma mère a choisi de m'appeler Dino King. Elle a quatre petits. Mon frère, 10 ans. Mes sœurs jumelles, 6 ans. Et moi, l'adorable petit museau plein de taches, un an tout juste. Maman repère sa proie. Aujourd'hui, ce sera un herbivore, le charonosaure. Nous sommes les meilleurs chasseurs de la forêt. Ça y est, la réunion stratégique est terminée. Ils vont se mettre en chasse. Oh, et sans moi, comme toujours. Aussi. Ce serait tellement merveilleux de chasser avec eux. Bon, maintenant, je dois bien observer. Ils vont commencer. Mon frère se lance en premier. Il repère sa proie en évitant d'attirer l'attention des gardes. Embuscade ! Trois charonosaures se sont écartés de la meute. Il les oblige à aller vers les jumelles. Il est incroyable ! C'est le meilleur traqueur du monde. Les jumelles prennent le relais.
une vraie collaboration entre frères et sœurs. Et l'attaque finale de maman. Ouais. Ils ont réussi. C'est comme ça que ma famille chasse. Nous sommes les Tarbosaures, les rois de la forêt. Je suis très fière de ma famille. Notre nid se trouve dans un endroit qui domine toute la forêt. Mes sœurs adorent jouer ensemble, mais elles ne m'invitent jamais. Je m'en fiche. C'est nul de toute façon. Mon frère n'est pas mieux. Pas facile d'être le plus jeune. J'adore parcourir la forêt avec mes frères et sœurs. Pour un petit dinosaure curieux, c'est plein de choses fascinantes. Un Répénomamus. Une sorte de mulot tout dodu et plein de poils. C'est un jouet parfait pour moi. Ce sont sûrement son père et sa mère. Oh, cette maman accouche de ses petits. Alors que nous, les dinosaures, on pond des œufs. Surprenant, pas vrai? C'est quoi ça? C'est un très grand dinosaure. Manger des cailloux l'aide à mieux digérer. C'est sûrement un térizinosaure. Oh zut! Maman m'avait pourtant dit d'être prudent. Être dérangée. Elle n'est pas vraiment très amicale.
On dirait que ce tyrannosaure a perdu un œil. D'où peut-il venir? Je ne l'avais jamais vu dans les parages. Ça, c'est un ankylosaure qui frotte son corps contre un rocher. Il se gratte à cause des vers qui infestent sa peau très épaisse. C'est un herbivore. Mais vaut mieux pas l'embêter parce que sa queue marteau peut vous réduire en pièces. Est en fait un monstre horrible et effrayant. C'est tellement cool! Je me moque de ce que fait mon frère. Aujourd'hui, je participe à ma première chasse. C'est parti! C'est enfin mon tour. Maintenant, je suis le digne descendant d'une lignée de chasseurs. J'ai harcelé maman pour qu'elle me laisse participer. Ça n'a pas plu à mon frère, mais personne ne peut m'arrêter. Oh, t'inquiète pas, maman. Bientôt, je serai meilleur chasseur que lui. Je sais ce que cherche mon frère. C'est évident, c'est proie, là, au bord de l'eau. Quoi? Allez, je pourrais leur tendre une embuscade en premier. Je vais attaquer la plus grosse proie, contrairement à mon frère. Je vous attaque de front, je suis le grand Dino King! Come on.
Oh non! Mes sœurs! J'ai bien failli ne pas survivre. Ça a été tellement dur de trouver de l'eau. Hein ? Un micro-raptor ! Il m'a fait une de ses peurs. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, j'en faisais mon 4 heures. Mais regardez-moi aujourd'hui, je suis le roi des lâches. Ce sont des vélociraptors, des voyous qui se déplacent en bande. S'ils m'attrapent, ils me dévoreront jusqu'à l'os. Des Quetzalcoatlus! Ces ptérosaures vivent au sommet des falaises. La maman ptérosaure surveille ses œufs tout le temps. Comment je vais faire? Mais je ne peux pas abandonner.
Il faut que je mange un de ces œufs ou je vais mourir de faim. C'est tellement bon! Je n'avais pas mangé depuis une semaine. Quoi? Vélociraptor. Cet ypsilophodon est pourchassé par des vélociraptors. Quand ces brutes vous pourchassent, on peut dire que c'est fini pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Un monstre vivra là-dessous? Il les a avalés! Il fait peur, ce monstre caché dans la boue. Je ferais mieux d'être prudent. Affamée et épuisée, je retourne dans l'ancien nid de ma famille. Je peux presque voir maman m'accueillir avec un sourire. Vous me manquez. Maman, mon frère et mes sœurs. J'avais oublié le borgne pendant un instant. Cette bête a pris possession de notre nid. Ça t'ennuie si je goûte?
mangé de viande depuis si longtemps. J'ai lutté pour survivre. L'idée de venger ma famille semble si lointaine aujourd'hui. À seulement 5 ans, je ne suis qu'un faible petit dinosaure. J'observe deux mâles géants engagés dans un combat. Les observe aussi. Même ma famille se tenait à l'écart des taurosaures, qui ont des cornes de presque un mètre de long. Pour gagner les femelles et les petits, le jeune mâle a décidé de se mesurer au chef de la meute. Le vieux chef a perdu ses cornes. Il est exclu du troupeau. C'est l'opportunité que le borgne attendait. Le dinosaure ne pardonne pas qu'on empiète sur son territoire. Vas-y, Térisino! Montre-lui qui tu es! Oh! Le borgne lui a joué un vilain tour! Qui est-ce ? C'est de la folie ! Convoiter une proie du borgne ? Ses yeux sont bleus. Bon, merci beaux yeux.
Oh, la revoilà. Mais qu'est-ce qui lui prend? Oh, la pauvre. Elle a l'air aussi affamée que moi. Beaux yeux est une femelle tarbosaure. Je me suis enfin fait une amie. Ce sont des sauropodes de 20 mètres de haut. Ils vivent aux côtés des mini-colpterus, de petits ptétosaures qui retirent les tiques sur la peau de ces géants pour soulager leur démangeaison. Ils vivent en symbiose. Et ils s'entraident, comme Beaux yeux et moi nous allons le faire. Je viens d'avoir 10 ans. Maintenant, je suis aussi grand que mon frère l'était. Beaux yeux et moi, on s'est éloigné le plus possible du borgne. On est restés ensemble et on chasse en équipe. Moi, je poursuis la cible. Et Beaux yeux lance l'embuscade. On forme une équipe incroyable. Voilà les marécages où vit un monstre impitoyable. Mais c'est aussi notre terrain de chasse secret. Oh, c'est le borgne. Comment est-il arrivé jusqu'ici? Le monstre qui a tué ma famille. Non, je ne suis pas encore de taille à l'affronter. Beaux yeux, non! Oui, ça va fonctionner. Thank you.
t'ai eu. Adieu, espèce de monstre répugnant. On est tellement heureux. On s'est enfin débarrassé du borgne. Quelle bête incroyable! C'est comme si rien ne pouvait l'arrêter. Vos yeux et moi, nous devons encore partir. Très loin. Nous éloigner encore plus du borgne. On peut y arriver. Et eux, où vont-ils ? Regardez-moi ça. Il y a de la vapeur qui sort de l'eau. C'est une source chaude. C'est tellement apaisant. La blessure de vos yeux commence à se refermer. Et les irritations disparaissent. La source chaude deviendra notre source de guérison. Vos yeux et moi, nous vivons dans une nouvelle forêt, loin du borgne. Pendant la saison des amours, tout est en effervescence. Il y a bien longtemps qu'on a oublié le borgne.
J'ai 20 ans maintenant. Et je suis devenu un jeune adulte robuste. J'ai réussi à coincer un taurosaure. Il va tenter une dernière fois de s'en sortir. Mais malheureusement pour lui, le meilleur des chasseurs, c'est moi. Dino King. Bozieux et moi, on est très heureux dans notre nouveau nid. Quand nos petits naîtront, nous formerons une famille. Il a fait tout ce chemin pour trouver une partenaire. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Mais je reste figé quand j'entends son rugissement caverneux. Je n'ai pas encore réussi à surmonter ma peur. Non, vos yeux! Relève-toi! Allez, vos yeux! Vos yeux étendus sur le sol fait ressurgir de douloureux souvenirs.
cette fois. Je l'ai vaincu! Moi, Dino King! J'ai enfin récupéré l'ancien nid de ma famille. Maman, mon frère, mes sœurs, je suis de retour. Depuis un mois, vos yeux surveillent les œufs sans bouger. Et après toute cette attente, nos petits viennent enfin au monde. Mais ce n'est pas une période propice à l'éclosion. De tous les œufs, seuls deux ont éclos. Un miracle est sur le point de se produire. Un museau couvert de petites taches. Comme moi. Dino King Junior vient de naître. La période du Crétacé touche à sa fin. Notre monde paisible est en train de changer. Mais je ne m'aperçois de rien, parce que je vis le plus heureux des instants. Yeah.
sol tremble. Un volcan entre en éruption. Le jour devient nuit noire. Dans la pénombre, il se met à pleuvoir des boules de feu. Abandonner notre lit. Non ! Mon bébé ! Relève-toi, vite! Ça a duré 2 semaines. Les forêts ont été détruites. Nous avons tout perdu. Tout le monde est épuisé par la faim et la soif. Et les vélociraptors. Ces satanées bestioles nous suivent partout. Dieu. Tu es blessé? On est allé trop loin. Relève-toi. Allez. Voilà ce qui se passe quand un dinosaure tombe. Les vélociraptors. Ces charognes sans pitié attendent que les dinosaures les plus faibles s'écroulent. Réveille-toi, allez! Ça suffit, bande de vermines!
commence à être épuisé. Et il continue d'attaquer. On est complètement cerné. Je t'en prie, lève-toi. N'abandonne pas. Non, pas ça! Non! Beaux yeux. Allons-y. Aux yeux. Je suis désolé. Nous devons continuer et la laisser derrière nous. Il le faut pour la sécurité des petits.
2 semaines se sont écoulées. J'ai cru qu'on n'arriverait jamais au bout de ce désert. Mais un miracle est en train de se produire. Les dinosaures qui sont en tête poussent des cris de joie. Allez, on accélère. Et là, vers l'horizon, nous apercevons un paradis verdoyant. Mais la route vers ce paradis n'est pas simple. Nous avons un dernier obstacle à franchir. Nous devons emprunter une route étroite et dangereuse. Les plus jeunes regardent l'océan avec curiosité. Les dinosaures se mettent à courir vers nous. Je revis le cauchemar de mon enfance. Je ne peux pas perdre à nouveau ma famille de cette façon. À nouveau guidé jusqu'à moi, à des centaines de kilomètres de chez nous, au sommet d'une falaise. Je me tiens là, face au borgne, encore une fois. Il est temps d'en finir.
Junior, le plus jeune a survécu. Je dois le sauver, quoi qu'il m'en coûte. Ces monstres des mers mesurent près de 15 mètres de long. Arriver jusqu'à lui. Vite! Junior, où es-tu? Junior! Mes forces m'abandonnent, mais je dois sauver mon petit. Je dois aller là-bas. Je dois y aller à tout prix. Thank you.
Junior. Mon tout petit. Voilà ce que je souhaite. Que l'endroit vers lequel je me dirige avec mon fils foisonne de feuilles vertes. Et que l'histoire continue dans la joie.